Et voilà, les doigts dans le nez. Enfin, les affaires reprennent. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut ? Parti! Pour essayer de glisser par là en m'accrochant à ce poteau. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Allez, toujours plus haut. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Au moins Burns a profité de cette vue avant la fin. Pas par là.
Non. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Alors, et maintenant ? Les prisons modernes horribles. J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Ces Espagnols savaient construire des prisons solides. Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Ah, si seulement Sam pouvait voir ça. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Une cellule ? Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, par où commencer ? Tous ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. C'est pas ça. Non, celui-là non plus. Ah, rien. Je devrais encore jeter un coup d'œil à cette lettre. Le chiffre romain 10. Ah, rien. Qu'est-ce que disait la lettre déjà ? Non, celui-là non plus. Et le chiffre romain 2. Non. J'ai dû louper un truc sur la lettre. Sagittaire, 10 en chiffre romain. Rien.
devrais encore jeter un coup d'œil à cette lettre. Non. Et le chiffre romain 2. Non. Alors, où il est le symbole du Sagittaire ? Le Sagittaire, 10 en chiffre romain. C'est 2. X et II. Regarde-moi un peu ça. Digna factis recipimus. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Allez ! Bon, la première...